Yes, man, yes, man, yes, man, yes, man, bon, boclot. Yeah, man. Allez, les gars, on dit quoi? Comment vous allez? Comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous salue. Je vous salue depuis là où vous êtes. Je vous envoie des ondes positives, je vous envoie ma pensée divine, je vous envoie tout ce qui m'est cher, les gars. Je vous envoie mes salutations, j'envoie mon amitié à ceux qui se sentent amis avec moi, j'envoie mon respect à ceux qui me respectent, j'envoie ma considération à ceux qui me considèrent. Je vous salue, les gars. Comment il s'appelle? Pierre le Fervent, je te salue. Ginette, je te salue. Chimène, je te salue, les gars. Je vous salue, les gars. Que quelqu'un m'invite rapidement, Franca Demassou. Que quelqu'un m'invite rapidement, Franca Demassou, s'il vous plaît. Franca Demassou n'a qu'à venir ici, pardon. Je vous salue, vous tous. Alvebe, je te salue. Majoa Carlo, je te salue. Amouzoui, je te salue. Spero, je te salue depuis la Russie. Les gars, je vous salue, vous tous. Donc, si tu veux que je fasse après la partie d'hier. Mon appétit est parti. Il faut laisser le manger. Il faut laisser. Non, moi je vais manger parce que j'ai faim. Tu dis que l'appétit est parti, pourquoi tu vas manger encore? Après. Les gars, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez discuté tout à l'heure dans la vidéo de la soeur qui est passée. Il y a Mathieu Nyasingbe. J'espère que tu as fini de préparer la bonne sauce du gombo. N'oublie pas de m'envoyer ma part. Le professeur, tu as déjà préparé le gombo. Ouais, ma femme a préparé. C'est pas moi qui ai préparé. C'est ma femme qui a préparé la sauce. Moi, j'ai simplement coupé le gombo. Elle a préparé, les gars. Elle fait ça très bien. Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous avez discuté dans la vidéo de la compatriote qui s'est passée. Je ne veux même pas savoir. C'est Mathieu Nyasingbe qui m'a envoyé la vidéo. C'est Mathieu Nyasingbe qui m'a envoyé la vidéo. Hey, Mathieu, je te remercie de m'avoir envoyé la vidéo. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et Prince Hervé, je te salue. Les gars, qu'est-ce que je veux vous dire? Ça serait très simple parce que je n'ai même pas le temps. Vous-même, vous le savez que je ne fais plus de vidéos maintenant comme avant. Moi, je n'ai pas ce temps. Je vous salue. Bernard Bedra depuis Abidjan, je te salue. C'est pas que Rodi soit fâché. Ce que Rodi Foster a dit tout à l'heure, c'est la vérité là que vous les Togolais, de par votre hypocrisie, de par votre malédiction, vous ne dites pas aux gens. J'ai suivi la vidéo et j'ai écouté l'intervention de Rodi Foster. Je lui donne la main. Je donne la main à Rodi Foster. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous toutes, vous les Togolais, vous faites? Je vais vous le dire. Moi, je vais encore vous dire ma vérité. C'est ma vérité à moi. À vous de faire ce que vous voulez avec. Vous comprenez? Vous donnez trop d'importance à des gens qui n'ont aucune importance, les gars. Vous donnez trop d'importance à des gens qui ne méritent même pas votre attention. Ils ne méritent pas votre attention. C'est ce que vous faites. Vous avez fait que des gens sur Facebook se croient quelque chose, alors que Facebook n'allait pas exister. Facebook n'allait pas exister et qu'on va se retrouver dans la rue, ces gens-là, ils ne vont pas parler. Ces gens-là ne vont pas parler. Vous comprenez? Vous donnez trop d'importance aux gens. Vous créez des gens. Vous créez des gens alors qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas cette valeur, les gars. Mais les gars, vous me faites pitié. Vous les Togolais, vous me faites pitié. Quand on vous dit la vérité, vous insultez. Quand on vous dit la vérité, vous insultez. Au lieu de vous demander ce que la personne l'a dit, c'est vrai ou faux. Vous accordez à des gens sur Facebook trop d'importance qu'ils n'ont même pas dans leur propre famille, les gars. Vous leur accordez des importances, des valeurs qu'ils n'ont pas dans leur famille. Parce que s'ils avaient ces valeurs dans leur famille, s'ils avaient ces importances dans leur famille, c'est leur famille qui devait s'en occuper. C'est leur famille qui devait s'en occuper pour leur dire... Madame, allez là-bas. Vous comprenez? Vous donnez trop d'importance à des gens. C'est ce que je vois sur Facebook. Des gens minables, des gens qui ne valent rien. Mais les gars, s'ils ont quelque chose dans leur famille, vous allez voir que leurs parents, leurs pères seront d'accord avec eux sur Facebook. C'est pas que les parents de ces gens-là n'ont pas de smartphone à la main. Vous comprenez? C'est pas que leurs parents n'ont pas de smartphone à la main. Quand il y a des stars, quand il y a des vraies stars qui ont des problèmes, il y a leur famille qui viennent les défendre. Quand il y a des vraies stars, quand il y a des gens importants, la femme dont vous parlez là, vous avez une fois vu son mari faire vidéo pour la défendre?
Vous avez une fois vu son mari faire vidéo pour dire quelque chose? Vous avez une fois vu l'homme qu'elle a épousé faire vidéo, faire statut pour écrire quelque chose? Pourquoi vous lui accordez cette importance-là? Elle est qui? Mais les gars, elle est qui? Vous prenez pour qui? Que leurs parents viennent les défendre, que son mari vienne la défendre, c'est pas moi. C'est pas Franck Ademassou, c'est pas quelqu'un, non? Mais, c'est pas. Les gars, soyez sérieux. On va parler, vous allez nous dire que vous avez fait l'université. On va parler, vous allez nous dire que vous avez bac. On va parler, vous allez nous dire que vous êtes civilisé. Vous êtes civilisé où? Mais les gars, arrêtez ça. Moi, que personne ne me tague plus dans ces conneries, non? Que personne ne me tague plus dans ces. Je ne regarde pas ces trucs. Moi, j'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps, les gars. Si ces gens-là sont des gens qui sont importants dans leur famille, c'est leur famille qui allait les appeler pour leur dire « Tu nous fais honte, arrête ça. » Quand ça continue, il faut savoir que leur famille ne leur accorde aucune importance. C'est ce que vous avez tous oublié. Quand ils sont des gens qu'on doit protéger, quand ils sont des gens qu'on doit soutenir, quand ils sont des gens qu'on doit épauler, c'est leur famille qui doit le faire. C'est pas moi, c'est pas Franca, non. C'est pas les Togolais. Aucun Togolais n'a à se mêler dans ça. Que leur famille les appelle. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, personne ne peut crier dessus. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, quand quelqu'un est en train de bien se comporter, personne ne va l'insulter. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Réfléchissez. Vous vivez en Occident, vous êtes des gens tarés, vous ne comprenez rien. Moi, je vais vous insulter. Je vais vous insulter parce que vous méritez qu'on vous insulte, les gars. Ne nous dites pas que vous êtes aux États-Unis, ne nous dites pas que vous êtes je ne sais où. Comportez-vous comme les gens chez qui vous vivez. Il faut vous comporter comme les blancs chez qui vous vivez. Quand je vais me mettre à faire des conneries sur Facebook, quand je vais me mettre à me déshabiller sur Facebook, quand je vais me mettre à faire des blagues dépassées sur Facebook, même ma femme qui n'est pas amie avec moi, quelqu'un va lui dire, ton mari est en train de se déconner sur Facebook. Ton mari est en train de faire la honte sur Facebook. Parle-lui. Là, ma femme va me parler, je vais arrêter. Vous ne remarquez pas que je ne fais plus beaucoup de vidéos? Vous ne remarquez pas que je ne fais plus de vidéos comme avant tous les soirs? J'ai plus ce temps, les gars. J'ai plus ce temps. La famille a grandi. Je dois m'occuper de ma famille. J'ai plus ce temps de faire vidéos jusqu'à appeler des gens pour venir m'épauler. Vous demandez ça à qui? Vous n'êtes pas intelligent? Vous parlez même de qui? Vous parlez de qui, les gars? Vous parlez de qui? Vous êtes en train de parler de qui? Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça, les gars. Que sa famille l'appelle, que son mari l'appelle, c'est pas moi. Que sa famille l'épaule, que son mari l'épaule, c'est pas moi, c'est pas Franck Ademassou, non. Elle est mariée. Vous n'êtes pas intelligente. Vous qui dites qu'on doit la soutenir, il faut que toi aussi tu fasses la même chose comme elle. Voici ton mari va accepter ça. Il faut que toi aussi tu fasses la même chose comme elle. Voici ta femme va accepter ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand des gens chient, ne nous demandez pas de venir leur nettoyer leur derrière, non. Vous comprenez ça? Enlevez le nom du peuple togolais dans votre bêtise. C'est une bêtise que vous êtes en train de faire. Faut pas élargir ça au niveau du peuple togolais. Elle ne représente pas le peuple togolais, non? Pourquoi Farida ne fait pas ça? Pourquoi Farida qui est l'activiste dont vous appelez, la femme que vous appelez activiste, pourquoi elle ne se comporte pas comme ça? Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est bien éduquée, parce qu'elle a la honte, parce qu'elle sait qui elle est, parce qu'elle est réaliste. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je vous dis? Après, on vous voit vous défiler dans la vidéo des gens pour parler de quelqu'un que vous insultez. Vous voulez que je balance des audios? Vous voulez que je balance des screenshots? Faut pas me fâcher, les gars. Arrêtez votre hypocrisie. Quand on fait vidéo pour parler de Mali Larose, certains parmi vous, vous n'avez même plus à montrer votre visage. Vous n'avez plus à montrer votre visage. J'ai des audios sur vous. J'ai des screenshots sur vous. Si vous blaguez, je vais balancer tout. Arrêtez votre hypocrisie. Aidez-la dans l'anonymat. Il faut l'aider dans l'anonymat. Elle ne vaut rien, elle n'est rien, elle n'est personne. Elle n'est rien, elle n'est personne. Vous comprenez ça? Il faut la donner à vos frères. Si Marie Larose est quelqu'un, il faut la divorcer pour donner ça à vos frères, pour avoir une star dans votre famille. Elle ne vous fait pas honte. Elle ne vous fait pas pitié. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité sans faire de vidéo. Vous voulez impliquer qui dans cette connerie? Vous voulez manipuler qui? Vous voulez influencer qui dans cette connerie? C'est une connerie. C'est une merde. Je vous dis la vérité. Il faut laisser les gens tranquilles avec votre bêtise là. Vous êtes des hypocrites. Avant de prendre caméra pour faire vidéo, il faut d'abord parler avec cette dame pour lui dire va te faire soigner. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire va voir un psychiatre, va voir un psychologue. Il faut te faire soigner avant qu'il ne soit trop tard. Ne venez pas nous embêter ici avec vos histoires là. Nous, on a autre chose à faire. Nous ne sommes pas des désœuvrés, les gars. Mais les gars,
Vous voulez embêter qui? Elle est qui? Cette femme est qui? Qui la connaît? Mais les gars, fais-lui dicter question. Faut lui faire dicter question. Il faut lui faire dicter question pour voir si elle mérite qu'on la soutienne. Mais les gars, vous voulez bluffer qui? Mais les gars, faut laisser les gens tranquilles avec votre histoire là. On fait vidéo que personne ne m'invite dans ça. C'est une connerie. On appelle ça chiffon. On appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça chiffon. Quelqu'un déconne. Quelqu'un déconne. Quelqu'un s'humilie. Quelqu'un devient dépressif live. Quelqu'un devient folle live. On ne fait pas vidéo pour la soutenir. On lui parle. On appelle ses parents. On appelle ses parents pour dire parlez à votre fils. Ou bien parlez à votre fille. Elles vont vous demander elle fait quoi. Vous allez leur envoyer deux vidéos. Regardez ce qu'elle fait. Là, vous avez tout expliqué. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas le courage? Vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux gens? Vous allez où? Vous allez aller où avec votre hypocrisie là? Vous êtes des hypocrites, les gars. Vous êtes des hypocrites. Je vous dis la vérité. Vous êtes des hypocrites, les gars. À moins que vous ne savez pas ce que vous avez à faire, je vous l'apprends. L'état dans lequel cette femme se trouve, les bêtises, l'humiliation nationale que cette femme fait, c'est pas dans vidéo où vous allez dire ça à quelqu'un, où des gens vont encore s'insulter, où ceux qui sont là, ils se nourrissent de la chair humaine, ils vont encore écrire des bêtises pour insulter des gens. Il faut lui parler. Interdisez-lui de se montrer encore dans une caméra. Il faut la convaincre d'abord qu'elle ne va pas bien. Faut plus qu'elle fasse encore vidéo. Elle serait mon amie, c'est ce que je vais lui dire. Elle serait mon amie, je vais lui dire, c'est le feu Nyasingbe Eyadema qui disait, celui qui danse ne s'apprécie pas à la fois. Feu Nyasingbe Eyadema disait, celui qui est en train de danser ne s'apprécie pas à la fois. Quand elle fait cette vidéo, de tout ce qu'elle fait depuis jusqu'à un temps là, vous l'aimez vraiment, vous allez l'appeler pour lui dire, ma soeur, tu ne vas pas bien. Ma soeur, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien. Arrête ça. Faut laisser ça d'abord. Quand ça va passer, tu reviens, tu reprends avec tes mèches, tu reprends avec tes coiffures, tu reprends avec tes sacs. Qui danse ça? Ça ne va t'amener nulle part. Mais les gars, vous êtes des hypocrites, vous êtes des gens maudits. La dernière vidéo que Luc Bathier, la dernière vidéo que Luc Bathier a publiée sur elle la dernière fois, où elle criait, elle se criait comme une folle. Fleur de Lille, tu me peux. Fleur de Lille, tu me peux. Fleur de Lille, tu me peux. Ça ne vous a pas fait pitié? Ça ne vous a pas fait pitié pour savoir qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne se sent pas bien? Mais les gars, vous voulez voir quoi? Après, c'est pour faire vidéo pour dire qu'on doit soutenir qui? Vous êtes des malades? On va soutenir qui? Vous demandez ça à qui? On va faire quoi pour la soutenir? Lui lécher les culs? On va l'appeler pour lui dire, pardon Marie la Rose, faut pas nous faire honte. C'est toi qui as raison. Arrête de faire vidéo, nous te soutenons. C'est pas moi, elle n'a qu'à mourir, elle n'a qu'à se pendre. Elle n'a qu'à rapidement mettre une corde au cou pour se pendre, les gars. Arrêtez ça. Vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas des gens bien. C'est vous qui avez induit cette femme en erreur. C'est vous qui avez encouragé cette femme et qu'elle est arrivée là où elle est arrivée. On vous voit aujourd'hui, on fait vidéo. Vous aussi, vous venez parler pour dire quoi? Vous voulez que je balance des audios? Vous voulez que je balance des screenshots avec votre numéro et votre photo sur WhatsApp pour que personne ne dise que c'est moi qui les ai manipulés? Mais arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Ou des gens vont encore intervenir, on va les insulter. Des gens vont encore parler, des idiots vont mettre des commentaires hostiles. Parce que vous nourrissez la haine sans le savoir. On va dire quoi à Marie Larose, les gars? On va lui dire quoi? Dites-nous ce que vous voulez que nous lui disons. Faut nous dire ça. Dites-nous, vous qui avez fait vidéo, vous qui je ne sais quoi. Dites-nous maintenant, in boss, ce que nous devons dire à Marie Larose pour que l'affaire là se close. Il faut nous dire ça. Aidez-nous. Maintenant, aidez-nous à lui parler. Vous voulez qu'on lui dise quoi? Qu'on lui dise, pardon, la star togolaise, pardon, la puissance mondiale, on te soutient, et c'est toi qui as raison. Mais les gars. Vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas des gens bien. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous n'avez pas à faire vidéo, les gars. Vous n'avez pas à faire vidéo. Quand on aime quelqu'un qui déconne, on ne fait pas vidéo pour lui dire on va la soutenir. Vous êtes malade. Vous êtes des gens malades. On va soutenir quoi? On va soutenir quoi? On va lui dire quoi? De continuer ou bien d'arrêter? C'est nous qui lui avons demandé de commencer pour que c'est nous qui lui disons d'arrêter, non? Appelez ses parents. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien, les gars. À moins que vous êtes des gens qui n'observez pas. À moins que vous êtes des gens qui ne lisent pas l'expression corporelle. Cette femme est malade, les gars. Cette femme, elle est malade. Ça fait pitié. Je vous dis la vérité. Elle est malade. Je n'ai rien contre elle. Elle est malade. Elle doit se faire soigner. Sinon, ça va aller loin. Ça va. Emmanuel Macron, le président français. On nous dit maintenant qu'il a burn-out. On nous dit que Emmanuel Macron a burn-out parce qu'il a des problèmes. Il a des problèmes avec son peuple. Il ne dort pas.
Quand tu ne dors pas, tu vas développer des maladies. On n'a pas créé la nuit pour je ne sais quoi. Votre ami est malade. Nous ne sommes pas des docteurs, nous ne sommes pas des psychologues. Nous ne pouvons, le peuple togolais n'est pas docteur. Franca Demassou n'est pas docteur. Je ne suis pas docteur. Votre ami est malade. Il faut la convaincre d'aller se soigner. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vous fais aujourd'hui une prophétie. Et vous allez me dire qu'on l'a internée. Je vous dis la vérité. Avant que jeune arrive, si elle continue comme ça, on va l'interner. À moins qu'elle n'a pas de famille, à moins qu'elle n'a pas de mari, les gars. À moins qu'elle n'a pas de vrais amis, les gars. Elle continue comme ça, on va l'interner avant fin juin. Elle est malade, les gars. La femme est malade. Marie Larose est malade, les gars. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça, les gars? Vous êtes méchants comme ça? Vous êtes des gens méchants comme ça? Vous laissez vos amis devenir fous? Et après, vous appelez des gens pour les aider. Vous appelez qui? Qui va l'aider? Donnez-nous des noms. Il faut nous citer des noms. Ne dites pas seulement de l'aider. Il faut citer des noms. Qui va l'aider? Qui va lui dire quoi? Dites-nous ce que nous avons à lui dire. Dites-nous ce que nous avons à lui dire. Si ça peut l'aider, on va lui dire ça. Mais les gars, soyez sérieux. Soyez des gens sérieux. Ne venez pas seulement faire vidéo pour qu'on vous regarde, non? Il faut être concret. Il faut être logique. Votre ami est malade. Votre ami devient dépressive. Votre ami devient folle. Vous nous dites de l'aider. Nous, on va faire quoi? Vous ne voyez pas qu'elle est malade? Vous ne voyez pas qu'elle ne va pas bien? C'est quelqu'un qui est en bonne santé qui fait ce qu'elle fait là. On a dit que quelqu'un a montré des cadeaux qu'on lui a fait. Mais les gars, soyons sérieux. Si Flore de Lille a montré qu'on lui a fait des cadeaux, on doit faire vidéo pour la contre-attaquer. Que tu montes tes cadeaux, voilà mes mèches, voilà mes chaussures, mais les gars. La femme est malade, les gars. La femme ne va pas bien. On n'a même pas à l'insulter, on n'a même pas à la clasher. Elle est malade, les gars. Ayez pitié d'elle, je vous en prie. Ayez pitié d'elle. Ne vous servez pas maintenant de lui pour qu'on vous connaisse. Ne vous servez pas maintenant de lui pour faire des vues. Ne vous servez pas maintenant de lui pour faire des vidéos. D'elle pour faire des vidéos, non. Ça ne se fait pas, les gars. Vous êtes méchants, les gars. Je vous dis la vérité. Que quelqu'un me contredise. Que quelqu'un s'intervienne pour dire, professeur, ce que tu dis là, tu es déréglé mental. Je vous en prie, que quelqu'un vienne. Ne me donnez pas seulement l'opportunité de parler. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. La femme déconne, la femme délire, la femme devient malade, la femme expose sa dépression, la femme expose son burn-out, la femme expose sa folie. Vous nous demandez de l'aider, on vous a dit que nous avons fait la psychologie. Quelqu'un vous a dit que nous sommes des docteurs. Mais les gars, Franca Demassou n'est pas psychologue, non? On va l'aider comment? Dites-nous. Ne venez pas seulement nous dire qu'on ne doit pas la laisser tomber. Ne venez pas seulement nous dire qu'on ne doit pas, je ne sais quoi. Maintenant, dites-nous ce qu'on doit faire. Quand vous savez que quelque chose ne va pas bien et que vous savez qu'on doit aider, il faut nous dire comment aider. Doit-on lui cotiser de l'argent pour qu'elle aille se soigner? Doit-on lui prendre ses téléphones pour qu'elle ne fasse plus vidéo? Doit-on lui parler pour lui dire qu'elle est en erreur? Elle est en erreur, les gars. Vous l'avez épaulée depuis le début, maintenant ça s'aggrave. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Les choses tombent autour d'elle. Les choses tombent autour d'elle. Son business ne marche pas bien. Son mari, je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'est pas bien, les gars. Ayez pitié, je vous en prie. Ayez pitié d'elle. Vous qui dites que vous êtes ses amis, ayez pitié. Si vous ne pouvez pas l'aider, appelez ses parents. Mais les gars, si vous ne pouvez pas aider Marie Larose, appelez ses parents. Ne venez pas faire des vidéos hypocrites. Ne venez pas faire des trucs bidons pour nous supplier de l'aider. Maintenant, dites-nous comment nous allons l'aider. Faut nous dire ça. Maintenant, vous avez lancé appel, non? De l'aider, non? Comment? Vous avez demandé de la soutenir dans la bêtise. Quelqu'un a trahi. Vous ne connaissez pas l'histoire? Moi, je ne la connais pas bien, mais j'ai un peu étudié ça. Vous ne connaissez pas l'histoire? Vous n'avez pas vu des vidéos où elle dit que sans Flore de Lille, je ne serai rien? Vous n'avez jamais vu ça? Vous qui demandez tout à l'heure que les Togolaises ne la soutiennent pas, vous n'avez pas les vidéos où elle a dit que les Togolaises ne sont pas civilisées? Vous n'avez pris ces vidéos? Vous êtes né de quelle race? Vous n'avez pris les vidéos où elle vous insultait, vous les Togolaises, que vous n'êtes pas civilisés? Que vous n'achetez pas ces sacs, que c'est les Camerounaises qui sont civilisés, vous avez oublié ça? On peut le lui pardonner. Ça, nous pouvons le lui pardonner. C'est une erreur qu'elle a faite. Maintenant, elle devient malade. Elle est dépressive. Vous voulez qu'on l'aide encore? Mais les gars, soyons sérieux. Vous n'allez pas m'aimer, je le sais. Vous n'allez pas m'aimer. Ça, je le sais. Moi-même, je le sais. Je n'ai pas besoin de votre amour. Celui de ma femme et de mes enfants me suffisent, vous comprenez? Mais aidez cette femme. Soyez des gens vrais, quoi. Celui qui a intervenu tout à l'heure dans la vidéo qu'on t'a fait, est-ce que tu peux dire à Marie Larose que tu as mal parlé de lui? Que tu as parlé à Daniel Alassane de Marie Larose? Tu peux dire que tu as parlé à Daniel Alassane tout ce que tu as rencontré à cette fille sur Marie Larose? Tu peux lui dire ça? Tu veux que je balance des trucs?
Tu veux que je balance des trucs, des audios, des captures d'écran? Arrêtez votre hypocrisie, les gars. Effacez-vous. Effacez-vous, les gars. Vous n'êtes rien, vous n'allez rien devenir. Personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît, les gars. Arrêtez ça, quoi. On ne vit pas comme ça. Quand tu vis comme ça, c'est des malheurs qui vont t'arriver. Quand tu insultes quelqu'un en privé et tu viens le défendre en public, tu es maudit. Tes enfants sont maudits. C'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez ça? Vous voulez qu'on parle? Qu'on a quand même aidé Marie Larose. Pour lui faire quoi? Pour la sodomiser? Moi, je ne peux pas. Mais les gars, arrêtez ça. Soyez honnêtes, quoi. Soyez des gens honnêtes. Soyez des gens vrais. Soyez des gens sincères en amitié. Vous n'avez pas besoin de faire vidéo, faire intervenir des hypocrites pour nous dire quoi que ce soit. S'ils sont vraiment amis à Marie Larose, vous n'avez pas à faire vidéo, les gars. Vous croyez que Franca Demassou va déconner, elle va devenir dépressive, elle va faire des bêtises. Je vais faire vidéo pour vous dire de les... Non, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais l'épauler en privé. Je vais lui dire ne fais plus vidéo. Je vais dire Franca, ne fais plus vidéo. Ne te montre pas, tu ne vas pas bien. Faut pas te montrer, tu ne vas pas bien. Ton état de santé n'est pas bon. Elle n'est pas bon. Mais les gars, vous voulez bluffer qui? Vous voulez bluffer qui? Mon cul. On n'a qu'à aider Marie Larose. Elle n'a qu'à se pendre. Moi, j'ai une solution pour elle. Elle n'a qu'à prendre médicaments pour mourir ou bien elle n'a qu'à se pendre. Elle n'a qu'à payer pistolet pour tirer une balle dans la tête. Elle ne va pas bien. Moi, c'est l'aide que j'ai pour elle. Ou soit appeler sa famille. Nous sommes sa famille, non? Elle n'a pas de famille. Ses parents, moi, mes deux parents sont morts. Mes deux parents sont morts. Personne ne peut même dire maintenant d'appeler ma famille. Elle a ses parents. Elle a ses amis. La soeur qui vient insulter Franca là. Tu parles à ta soeur? Fais aussi ce que ta soeur fait. Si c'est bon, il faut la copier. Quand quelqu'un se comporte, je ne sais pas, que toi tu crois que tu dois épauler la personne, fais la même chose que fait cette femme. Vous qui venez la défendre, vous qui étiez passé dans la vidéo, vous êtes mariés vous aussi. Donnez caméra à votre femme de faire la même chose que Marie Larose fait. Là, nous allons savoir que vous l'aimez vraiment. Nous allons vraiment savoir que vous l'aimez. Demandez à vos femmes de se comporter comme ça. Demandez à vos soeurs de se comporter comme ça. Demandez à vos belles-soeurs de se comporter comme ça. Parlez à cette femme, les gars. Je vous dis la vérité, quoi. Faut aider-la, quoi. C'est vous qui devez l'aider, c'est pas nous. Nous, on n'a aucun contact avec elle. Et elle n'est pas notre amie. Elle n'est pas notre amie, les gars. On ne peut pas l'aider. Je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro. Vous qui avez son numéro, vous qui lui parlez en privé, dites-lui, Marie, on te regarde, tu ne vas pas bien. On a regardé tes dernières vidéos, tu es malade, tu ne vas pas bien. Vous n'avez pas honte pour elle? Elle ne vous fait pas pitié? Cette femme ne vous fait pas pitié, les gars. Jusqu'à faire vidéo maintenant, nous demander de l'aide. On va faire quoi? Expliquez-nous, refaites vidéo pour nous dire ce que nous avons à faire. Il faut maintenant refaire une vidéo pour nous dire, regardez, quand il y a eu cyclone en Asie, on a dit aux gens, on a besoin de matelas, on a besoin de l'argent, on a besoin de secours médicaux. Maintenant, vous dites-nous comment nous devons aider Marie Larose et on va s'y mettre. Ne venez pas seulement nous appeler de l'aide. On va l'aider comment? Dites-nous. La question que je vous pose, c'est logique. Vous nous demandez d'aider une compatriote. On ne veut même pas savoir ce qu'elle a fait. On ne veut même pas savoir comment elle est en arrivée là-bas. Maintenant, dites-nous ce que vous avez besoin comme aide de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Faire vidéo pour pleurer? Pour dire, oh Marie Larose, je te soutiens. Oh Marie Larose, je suis derrière toi. Oh Marie Larose, Fleur de Lys est une sorcière. C'est ce que vous voulez qu'on fasse? C'est votre hypocrisie là que vous voulez que nous aussi nous fassions? Non, on ne peut pas le faire. On n'est pas né dedans. Faut nous dire comment on doit l'aider, on va s'y mettre. Vous voulez qu'on lui interdit de faire des vidéos? Je suis partant. Si l'aider, c'est lui interdit de faire des vidéos, là, je suis partant. Donnez-moi son numéro, je vais lui dire, arrête tes vidéos, ça ne va pas, tu es malade. Va te faire soigner. Fais une pause, il faut dormir. Prends des somnifères pour dormir. Essaie de gérer les problèmes privés que tu as. Ça ne va pas, les gars. On voit ça. Nous voyons ça, les gars. Ce n'est pas nous montrer des chaussures de talons de dinosaures qui va faire qu'on va croire que tu es quelque chose. Non, mais les gars, vous êtes des villageois. Vous êtes des villageois qui sont venus en Europe. Vous montrez vos chaussures, vous montrez vos périls. Mais ça fait pitié, les gars. Ça fait pitié. Quelqu'un qui est en bon. Une femme. Pourquoi vous qui avez fait vidéo tout à l'heure, vous ne montrez pas vos chaussures? Pourquoi vous qui avez fait vidéo tout à l'heure, vous n'avez pas fait vidéo là devant votre armoire de chaussures? Pourquoi vous n'avez pas déversé votre perruque par terre? C'est parce que vous êtes en bonne santé, c'est parce que vous avez la honte, c'est parce que vous êtes éduqué, c'est parce que vous ne voulez pas faire honte à votre mari, c'est parce que vous ne voulez pas faire honte à votre famille. C'est ce qu'elle ne fait pas. C'est ça qu'elle ne fait pas, les gars. Faut pas m'embêter, moi. Ne nous embêtez pas. Vous comprenez? Vous avez compris? Faut l'aider, c'est vous qui devez l'aider, à lui dire la vérité. Ayez le courage de dire à Marie Larose que vous avez dit à Daniela la Sainte que son mari va le quitter. Faut lui dire ça.
Ayez le courage de dire à Marie la Rose que moi, j'ai dit à Daniela la Sainte que ton mari va te quitter. Si vous dites que c'est mensonge, on va balancer audio. On va balancer audio, les gars. Vous voulez qu'on aille loin dans ça? Mais les gars, ça a trop duré, votre hypocrisie. On n'a pas besoin de vous. Vous n'avez rien à apprendre à personne. Vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Quelle femme mariée va se comporter comme Marie la Rose, les gars? Quelle femme mariée digne dans un foyer d'un homme va faire mot à mot ce que cette femme fait? Qui? Personne, les gars. Soyons sérieux. Personne, les gars. Vous comprenez ça? Insultez, faut écrire ce que vous voulez. Moi, je vous dis la vérité. Il ne suffit pas de lancer des appels pour aider quelqu'un. D'abord, expliquez-nous ce qu'elle a. Vous voulez qu'on l'aide, non? Quand tu appelles pour aider quelqu'un, c'est que tu reconnais que la personne est dans des problèmes. Est-ce que c'est vrai? On appelle ça la théorie. Je ne sais pas quelle étude vous avez faite, je ne sais même pas comment vous êtes arrivé ici en Occident. Quand tu fais vidéo pour lancer appel, pour aider quelqu'un, c'est que d'abord, toi-même, tu reconnais que la personne est dans des problèmes. C'est que la personne ne va pas bien. Ou bien je mens, que quelqu'un me dit que je mens. Ne me laissez pas parler seul. Quand tu fais vidéo, quand Didier Pessé vient demander de l'argent pour aider des gens, c'est qu'il veut aller soigner des malades, c'est qu'il veut épauler des malades. Quand tu fais vidéo pour dire aider quelqu'un, la personne ne peut pas être en bonne santé, la personne ne peut pas être en bonne position, la personne ne peut pas être à l'aise et que tu vas nous demander de l'aider. Vous ne nous avez pas appelé d'aider Farida, non? Parce qu'elle est en bonne santé. Quand tu fais vidéo, avant de venir faire vidéo pour appeler des gens à soutenir quelqu'un, pour appeler des gens à aider quelqu'un, il va d'abord faire ce qu'on appelle exposer. Il faut faire exposer de la personne. Je viens, je veux parler de Marie la Rose. Elle est malade, elle ne va pas bien. Maintenant, vous voulez qu'on l'aide. Vous n'avez pas dit ce qu'elle a. Vous voyez votre hypocrisie? Maintenant, parlez-nous. Pourquoi vous voulez qu'on l'aide? Pourquoi vous voulez que nous l'aidons? Elle a quoi? Elle n'est plus star? Elle n'est plus puissance mondiale? On aide les puissances? Non. On n'aide pas les puissances. La Gambie ne va pas aider les Américains, non? Est-ce que la Gambie va aider les États-Unis, non? C'est les États-Unis qui doivent aider la Gambie. Elle est puissance, non? Elle est millionnaire, non? Mais les gars, elle représente Chanel, non? Et pourquoi on va l'aider? Qui va l'aider? Ça ne vous a pas passé par la tête, ces questions-là, non? Parce que vous voulez jouer à l'hypocrisie. Vous voulez venir faire aux gens comme si, moi je suis médiateur, moi je veux régler les gens, je ne veux pas que les gens se querellent. Vous avez laissé le fond du problème pour montrer seulement la face. Vous voulez que nous aidons Marie la Rose. La question, elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi on doit l'aider? Elle a besoin de quelle aide? Elle n'est plus puissante. Elle n'est plus je ne sais quoi. On aide des gens qui sont forts, non? Les faibles même n'aident pas les forts. Les gens qui sont faibles comme nous, nous qui sommes des villageois, nous qui ne sommes pas civilisés, nous qui sommes des Togolaises qui n'achètent pas les Jacques Chanel, nous qui sommes des Togolaises qui ne sont pas civilisés comme les Camerounaises, on va aider qui? Appelez les Camerounaises pour l'aider. C'est nous qui l'avons introduit, non? Vous êtes des idiots. Vous êtes des gens idiots. Parce que quel est le problème? Vous voulez devenir ce que vous n'êtes pas. Des gens d'un autre pays, des femmes d'un autre peuple que vous ne connaissez pas. Et ils vont vous dire qu'ils vont vous introniser la reine de leur village. Vous allez accepter ça? Quand tu es en bonne santé, quand toi tu es en bonne santé, des Japonais vont t'appeler pour te dire qu'ils vont te nommer la reine de Nagasaki. On va te faire des cérémonies. On va te donner des choses à manger. Les gens là, ils sont en train de te donner la sorcellerie. Tu ne sais pas. Les gens là sont en train de t'envoûter. Tu ne sais pas. Parce que qu'est-ce que tu veux? Il y a caméra sur toi. Tu veux qu'on te regarde. Maintenant, quand ça pète, maintenant, vous nous appelez. Appelez les Camerounais. C'est pas nous les Togolais qui l'ont introduit. C'est pas nous les Togolais qui l'avons introduit. Non, c'est les Camerounais. On vous donne des trucs à manger. Parce que vous êtes des gens dangereux. Parce que quand on va te dire, on va te faire quelque chose, Flor de Lille va mourir, tu vas accepter ça. Moi, je parle. Quelqu'un va t'appeler, toi, Marie la Rose, pour te dire, je vais te faire gri-gri, Flor de Lille va mourir, tu vas faire ça. Tel que tu te comportes, tu vas le faire. Tu vas le faire. Si tu as accepté qu'on te nomme Reine Bamileke, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas pensé 2 secondes. Tu es Camerounaise pour devenir la reine d'un pays. Tu as une fois été au Cameroun, non? Tu n'as jamais mis pied au Cameroun. On te bluffe. On t'a bluffé. On t'a manipulé. On t'a ridiculisé. On t'a humilié pour te dire qu'on est en train de faire cérémonie pour que tu deviennes reine des Bamileke. Tu as accepté ça. On a filmé ça en vidéo. On t'a donné des trucs à manger. On t'a donné des trucs à manger. Des gens que tu ne connais nulle part. Tu les as connus seulement sur Facebook. Maintenant, ça travaille. Ça te rend folle, les gars. Ça te rend folle. Ça fait pitié. Pas pour moi, mais pour tes parents. Tu peux mourir demain, je m'en fous de toi. Je te dis la vérité. On m'annonce demain que tu es mort, je m'en fous. Le monde continue son cours normal. Des gens sont morts. Mais les gars, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous. Ne voulez pas devenir star aujourd'hui. Vous allez faire des cérémonies. Un charlatan va appeler cette femme. Un charlatan va appeler cette femme pour lui dire, Marie Larose, j'ai la possibilité d'humilier Fleur de Lille. J'ai la possibilité de faire quelque chose. Fleur de Lille va tomber. Elle va donner de l'argent, on va faire ça. Vous tous, vous le savez. Parce qu'elle veut toujours être là où elle ne doit pas être. On va te faire dicter question de 2 secondes, tu ne peux pas. Toi, tu es venu dans ce pays crier que tu es puissance mondiale. Crier que tu es millionnaire. Crier que tu représentes chaque chaîne. On va nous appeler maintenant de t'aider. On va dire à qui? C'est comme Donald Trump qui appelle les Gambiens d'aider les Américains. Ça ne passe pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, les gars. Avant de taper poitrine aujourd'hui, il faut savoir ce que demain réserve. Quand tu viens, dis que je suis puissance, je suis je ne sais quoi, PM, je ne sais quoi. Maintenant, on te demande de t'aider. Ça ne te fait pas honte? Toi-même, ça ne te fait pas honte qu'on te demande maintenant aux gens de t'aider, toi qui es puissance, toi qui es représentante de Chanel, toi qui es je ne sais quoi? Toi qui es million, toi qui as villa. Nous, on n'a pas villa, on n'a même pas maison. Comment on peut t'aider? On ne peut pas t'aider. Nous, on n'a même pas maison. Comment on va t'aider, toi qui as villa aux États-Unis? C'est pas moi. Je ne vais rien faire pour toi. Rien. Tu peux mourir. Je m'en fous de toi. Mais les gars, avant de venir encore faire vidéo pour bluffer les gens, qui sont eux aussi des idiots, avant de venir dire qu'on va aider quelqu'un, il faut nous dire qu'est-ce que la personne a? Elle a quoi? Vous ne pouvez pas venir solliciter de l'aide pour quelqu'un sans faire l'exposé de ce qu'elle a. Marie Larose à quoi? Pourquoi on doit l'aider? Comment on doit l'aider? C'est ça qu'il faut nous dire. J'attends votre prochaine vidéo. Peut-être que je vais rentrer dedans pour vous poser des questions. Elle a quoi? Comment nous devons l'aider? Vous avez besoin de quoi pour l'aider? De l'argent? On doit cotiser? Franck Ademassou doit faire vidéo pour cotiser de l'argent? On doit l'appeler pour lui parler? Elle a quoi? Elle n'est plus en bonne santé? Elle n'est plus puissance mondiale? Mais les gars, vous voyez comment vous vous humiliez vous-même? Vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Après, ça tombe sur vous. Vous demandez de l'aide. Les gars, je vous remercie. Faut même pas aller les regarder, quoi. Ils vous bluffent. C'est des gens qui vous bluffent. Ils vous prennent pour des idiots, les gars. Certains parmi vous, vous travaillez dans l'administration. Certains parmi vous, vous avez votre bac. Certains parmi vous, vous êtes des gens super intelligents. Vous êtes des directeurs d'école. Vous êtes des femmes très intelligentes. Mais vous laissez ces illettrés-là venir faire vidéo pour vous bluffer, quoi. Vous les regardez. Vous ne leur posez pas la question existentielle. On appelle quelque chose question existentielle. Avant que je ne vienne vous dire, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Vous allez me demander, tu as quoi? Ou bien, quand je vais faire vidéo pour vous demander, les gens, vous m'aimez trop. Je suis le seul Togolais le plus puissant, le seul chroniqueur que tout le monde connaît. Maintenant, j'ai besoin de vous, aidez-moi. Vous allez me demander, mais professeur, tu as quoi? Tu as quoi pour qu'on va t'aider? Quand je vais dire que j'ai pas lu, quelqu'un va poser... Comment on va t'aider? Je vais dire, je fais l'ITI. Voici mon compte bancaire. Virez de l'argent dessus. Je ne peux pas venir vous demander de m'aider sans vous dire ce que j'ai. Et ce que l'aide que dont j'ai besoin. Vous croyez que je suis plus intelligent que vous tous réunis, les gars. Vous n'allez pas me bluffer, moi. Avant de venir encore dans votre prochaine vidéo demander d'aider Marie Larose, dites-nous d'abord ce qu'elle a. Elle a quoi? Pourquoi on doit l'aider? Pourquoi on doit aider cette femme qui est si importante, qui est si populaire, qui est si puissante? Elle a quoi pour qu'on l'aide? Comment vous voulez qu'on l'aide? On va lui donner quoi? Là, on va l'aider. À bon entendeur, salut.